Et c'est parti les gars. Après la Belzébuth. On est parti pour le Théostra. Après le baiser jeu, après le Chala, après le Camellios, ou le Chamellos comme vous voulez, on est parti pour affronter le Théostra, l'Empereur de Feu. On verra bien ce que ça donne. Hein. Là, est-ce qu'il y aura des sessions avec le Théostra? Oui. Ça, c'est cool. Comme d'habitude, j'y vais avec mon lance-gun. C'est devenu carrément mon main depuis un petit moment déjà. Sur. Comment il s'appelle? Sur World, j'étais quand même beaucoup plus souvent en mode full DPS avec le. Avec le katana, l'arc. Après, j'ai appris à utiliser le lance-gun. Et c'est vrai que maintenant, bah, le lance-gun ça change la vie aussi. Hein. Et ça, c'est cool. Ok, ils sont deux déjà. Ils ont pensé à laisser les soins, ça c'est cool. J'ai déjà mangé et j'ai mis un atout inifugé là pour protéger du. Pour protéger du feu, en tout cas la résistance aux flammes. Et exceptionnellement, j'ai pris mon palico. En espérant qu'il soit efficace. J'ai pris exceptionnellement mon palico, donc il va me faire un petit moment pour arriver jusqu'à vous. Ah, complètement. Tac, tac, carte détaillée. Hop, c'est parti directement vers eux. Vu qu'il y a un camp à côté. C'est vrai que si on a tous les camps, c'est pratique d'avoir. On peut facilement utiliser notre palico. Mais il faut vraiment avoir tous les trucs. Le prisme bismuth. Bon, je descends, elles arrivent, les gars. Il y a quoi là-dedans? Il y a rien de tanké? Non? Bon, 31, donc pas capturable. Voilà. Oui, étonnamment, ça fait partie du mode qui m'a pas manqué. Parce que qui dit Théostra dit potentiellement sa congresse va arriver. Oh, un petit truc de tangent là. On fait une fin à 25 minutes, maintenant on verra plus pour le combat. Il se fait carrément. Non, bah, ça, je suis pas à pied. Écoutez derrière moi. C'est sympa qu'il se rapproche et qu'on puisse réattaquer avec.
l'attaquer peut-être. Non, il a évité. Dommage. Le tir. Bon, les effets de flamme, c'est fait vraiment un peu. C'est mon joli, mais c'est très démontré. Toute l'animation qu'ils ont fait à l'intérieur des flammes est très démontré en fait. Bon, il y a un assureur, nickel. En plus, ici, juste au-dessus de mon camp, donc je peux retourner au camp en haut et redescendre après. Sans pour autant faire tout mon tour. Ah oui, c'est vrai que c'est que des points les bisbites. On peut pas passer par dessus, c'est vrai. C'est une nerf. Thank you.
Oh! Arrête! Putain, plus c'est l'effet qui se met à distance. Il rigole, il me regarde, il rigole. Ah ah ah. Putain, il se met à distance et après, dès que je commence à bouger, là, il fait un petit bond en arrière en mode vas-y, viens me chercher. Quoi. Petit con. Il a pas lâché son outil encore. Qu'est-ce qu'il bouge même? Bon, ça m'énerve, je crois. T'es sur le côté, donc le mob théoriquement ne te touche même pas, mais t'es embarqué quand même. Ou dans le dos. En plus, sur le côté, tu peux dire qu'on fait ça parce que le mob peut, genre, la cuisse peut te toucher, te faire envoyer bader, peut-être te faire envoyer des barils, compagnie. Moi, je veux dire, quand t'es dans le dos du mob qui part devant toi, même et rien qui te touche, et même pas un pixel qui te touche, mais tout en bas. C'est vrai qu'il y a un drone en fait. Yes, ça c'est beau ça lui. On travaille aussi. Nickel chrome. Nickel chrome. Allez, on va se ramener après l'armure.
49, la limite de chasseur est de 999. Ok. Ah donc là je suis level 49. 49, il faut que je monte les 50, d'accord. Je comprends mieux maintenant le zoo, parce que moi ce qui me dégoûtait, c'est qu'il disait oui, tout ce que vous allez faire maintenant jusqu'à la sortie de la première DLC qui débloquera donc les niveaux dessus sera accumulé pour vous donner le level après. D'accord, bah, j'ai pas vu ton truc là, mon dieu, là. Je me retrouve toujours niveau 7 quoi. En fait, non, ça accumule jusqu'à ce que tu arrives à passer après les quêtes d'urgence et hop. Ça c'est fait chier, y'a pas d'armes, j'ai l'impression. Si t'es au strapa. C'est pas pour tout. Un katana rouge, ok, ça change pas trop. Et pas armure. Le Kaiser, ouais, quand même, ils sont pas foulés parce qu'ils ont pris quand même plusieurs. Le Kushala et Kaiser, ils ont quand même pris des skins qui étaient déjà dans World. Tu sais, il aurait pu au moins essayer de la retravailler un peu. Tu vois. Elle, pareil, elle était déjà dans World. Bon, c'est un petit peu décevant pour ça par contre. Donc bah, j'espère que ça vous a plu. On se dit à tout à l'heure dans la prochaine chat, évidemment. Mais pour moi, ce sera sûrement tout à l'heure. Une fois que j'aurai passé mon petit level récent, je vous dis ciao tout le monde. Peace. Surtout partager, liker et oublier.